suffisamment puissant afin qu'ils se rendent dans notre monde pour défaire Necrozma. Mais c'est elle qui a l'a utilisé pour servir ce propresse intérêt. Quoi, vous vouliez envoyer quelqu'un dans votre monde? Dites-vous, comment on peut faire ça? Vous pouvez ouvrir une autre ultra brèche. Il y a un hôtel à Pony. On peut s'y invoquer un Pokémon, celui qui dévore le soleil. Et on est venu à Alola sur son dos. Elle Samina et Guzma sont fous. Ils ne se doutent pas de la puissance de Necrozma. Enfin, je pense qu'il n'y a serait il se ni ce c'est rien tout de même pas aller en connaissance de cause. Dites les gens, si Necrozma se réveille, il va venir à Alola et dévorer toute votre lumière. Vous pouvez pas laisser faire ça. Alola est bien trop éclatante pour sombrer dans les ténèbres. Même il se supporte mal les gros les grosses chaleurs et que le soleil met lui, je dois avouer que la singulière lumière d'Alola est bien belle. Il y a l'aura des dominants et l'éclat de la force Z. Pardon, je parle, mais
nous devons partir. Loin de moi l'idée de vous vous couper dans votre élan, mais et ce que vous ne voudrez pas vous reposer un peu d'abord, nous avons une salle de repos de libre, elle est pour vous. Ouais, bonne idée. Ça tombe bien, j'ai les jambes en compote. Moi, je vais rester là. Peut-être qu'en dormant ici, j'arriverai à me mettre un temps à peu à la place de mer. En même temps, ils étaient tous KO. Le lendemain, pas trop fatigué, mon petit Sonic. Ah, au fait, je crois que Lily voulait te dire quelque chose. Elle t'attend à l'extérieur. Ben, allons voir Lily à l'extérieur. Dans le prochain épisode, on va s'arrêter là. Ça fait déjà une heure que je suis en train de filmer cet épisode. Et on va s'arrêter ici. De toute façon, j'ai mon linge à mettre, à faire sécher. Donc voilà. Donc mettez un like, un commentaire, abonnez à ma chaîne si c'est pas déjà fait. N'oubliez pas la cloche pour les autres vidéos. C'était Sonic le youtubeur.